Sur cette vidéo, on va voir comment rendre notre système d'exploitation plus rapide en supprimant le contenu d'un dossier qui est nommé Prefetch. Donc, à quoi sert? Windows utilise ce système appelé Prefetch pour organiser et recharger les données nécessaires pour les applications et les fichiers en utilisation. Un dossier appelé Prefetch est utilisé pour stocker les informations dont le système d'exploitation a besoin pour effectuer cette opération. Donc, pour supprimer le contenu de ce fichier, de ce dossier, il suffit seulement que vous allez sur Poste de travail et après le lecteur C, et après vous allez sur le répertoire de votre système Windows, et après vous cherchez un dossier qui est nommé Prefetch. Donc, vous cliquez sur CTRL A pour sélectionner tout le contenu de ce dossier et après vous cliquez sur le bouton supprimer sur votre clavier ou bien sur le menu contextuel. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris et après vous cliquez sur supprimer. Donc, une fois le contenu est supprimé de ce dossier, après un redémarrage, donc vous allez constater un peu de rapidité au niveau de votre système d'exploitation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.